Intervenir sur cette série 3 sur laquelle on va remplacer l'autoradio d'origine par un modèle donc un peu plus grand tactile et Android auto. Voilà donc comme d'habitude on va faire étape par étape donc on va tout démonter la console centrale malheureusement pour euh, l'application de la nouvelle tablette. Voilà, suivez nos instructions. Donc, on retire la ventilation en premier pour avoir accès donc aux vis de fixation d'une part et d'autre, et afin de retirer aussi l'écran qui est fixé par la vis là et la vis là. Et à partir de là, on pourra donc effectivement évoluer euh, pour mettre en place l'écran euh, qui va le remplacer. Donc comme vous pouvez voir j'ai enlevé les, les boulons hein, qui... Et puis là au niveau de l'écran, il y a une façon particulière pour l'enlever. Donc surtout ne pas forcer, sinon vous allez tout casser. Et donc ici. Voilà. Là il est retiré. Et vous débranchez les deux fils qui sont très difficiles d'accès parce que ici les deux fils, vous voyez Les prises noire, le fil noir et... Le, le câble enfin le câble noir et puis les deux fils donc ça c'est très difficile à retirer rien que là dessus on s'est déjà vu où on a perdu au moins 5 minutes pour l'enlever 5 minutes quand vous mettez le, euh, le chrono ça fait long après on va retirer la console centrale ici regardez elle se retire parce qu'elle est juste fixée par les deux vis en haut on la retire pour avoir accès donc euh, au multimédia Alors, on a réussi à débrancher l'écran central d'origine, et par contre, ici, on a vu que le il y a déjà eu une tentative de montage d'autoradio ou peut-être remplacement de la console ici parce que on a constaté que, ici, d'ailleurs, si je zoome un petit peu, on voit que les fils et surtout la prise elle est un petit peu cassée, c'est le bord, c'est rien, et en fait. Ils ont cassé la languette pour débrancher cette fameuse prise. Alors, vous voyez, tiens, euh, sur l'écran, sur on voit l'autre prise. Vous voyez, le bord de celle à droite n'existe plus sur celle à gauche. Et ça, c'est parce qu'il y a dû y avoir alors, soit une intervention, euh, en tout cas, il y avait une, ex, euh, une intervention externe. Pourquoi Parce qu'au niveau des visseries, on a vu qu'elles avaient déjà été euh, euh, blanchies. Regardez. Au niveau de la tête, on voit qu'elles avaient déjà été euh, trifouillées. Euh, notamment avec un outil pas forcément peut-être adéquat. Parce que nous, quand on intervient, euh, c'est euh, complètement transparent, c'est invisible. Bah, D'ailleurs, comme celle-ci. Vous voyez Là, elle est complètement en noir. Il n'y a pas de chrome retiré. Parce que celle-là, ça faisait partie de l'écran. Et euh, l'autre que je vous ai montré, elle faisait partie d'ici. Euh, de la fixation au niveau du chauffage. Donc ici et ici, donc cette partie là elle a déjà été démontée, pour une intervention peut-être pour le remplacement de lecteur DVD peut-être pour, pour autre chose enfin bref, peu importe en tout cas là euh, quand on a vu ça, on s'est dit on va pas y toucher parce que ça peut provoquer des soucis, donc du coup on a mis des protections, on l'est suspendu ça va pas nous déranger pour travailler, et euh, on va le laisser euh, brancher euh, voilà, pour cette part ici donc, on va démonter le lecteur ici qui fait le GPS euh, et on va euh, brancher donc euh, ce que le client nous, nous a euh, fourni en espérant qu'on ait suffisamment euh, de place pour tout mettre voilà donc pareil étape par étape vous allez suivre l'évolution sur cette BMW série 3 alors on a retiré donc l'unité cd dvd comme vous pouvez voir ici donc, il euh, euh, y a énormément de branchements. Celui sur lequel on va se baser, c'est surtout celui de l'alimentation et des haut-parleurs. Donc, nous avons ici l'adaptateur, donc cette partie ici, qui va s'enfiler sur le faisceau d'origine. Donc, comme ça, il n'y a pas de modification du véhicule ni du faisceau d'origine. Et de l'autre côté, on le branche à l'autoradio. Donc ça c'est pour cette partie-là. Et après, si on suit le câble, ici, vous voyez, on arrive sur le faisceau qui va se brancher sur le nouvel écran. Donc, pas mal de boulot de démontage. Le gros problème qu'on va rencontrer, c'est pour passer ce faisceau que vous voyez, il y a une certaine longueur. Il y a surtout ce boîtier qui va nous prendre la tête, malheureusement. Euh, mais bon, on va faire avec. Et puis, on va passer ce câble de manière à le faire sortir en haut. Donc vous voyez l'espace ici encore ça va. Là, ça va être problématique parce que il bah, y a beaucoup. Et surtout que là c'est partie rigide, donc très peu flexible. Et euh, donc comme ça va se retrouver aux fesses de l'autoradio qui va pratiquement toucher où il y a l'étiquette là-bas au fond, vous voyez Donc ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on perd pas mal de temps. Parce que faut qu'on essaye après d'essayer de, de plier. Le, 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 le faisceau ici de manière à ce que ça puisse rentrer voilà donc euh, bah suivez les étapes encore une fois voilà donc comme vous pouvez voir là c'est l'écran d'origine BMW et ici donc le tout nouveau écran en termes de taille on a facilement un tiers de plus il est de la même hauteur pratiquement mais il est moins trapézoïdal du coup, on a plus d'images, surtout il est tactile et euh, plus, haute, plus euh, grande définition, et surtout qui permet d'avoir beaucoup d'options. Donc, comme je vous avais dit, on a branché donc le faisceau. Ici, on le laisse en attente parce qu'on va d'abord passer le câble. Euh, donc, ce, ce câble-là d'alimentation générale de l'écran, on va le faire passer à l'intérieur pour le faire sortir là-haut. Le câble qui est suspendu là-haut. Ben, on, va le, on va le retirer, et, euh, vu qu'il ne sert plus à rien, on va le redescendre en bas et on va le laisser en attente en bas. C'est si jamais on veut remettre à l'origine, il y a possibilité sans aucun problème. Voilà, donc on va mettre en place le, le câble pour brancher l'écran. Donc vous voyez la différence entre les deux, hein, euh, qui n'a rien à voir. Euh, D'ailleurs, BMW ici aurait pu mettre un écran qui aille au moins jusqu'au bord de chaque côté là ils ont mis un, un simple rectangle voilà bon bah la prochaine fois on espère qu'ils fassent des écrans un peu plus grands euh, euh, pour leur véhicule voilà et ça c'est le celui de remplacement alors on a laissé le câble au final parce que tout simplement que l'écran qui est fourni est compatible avec et donc on a rajouté juste le faisceau ici pour euh, la nouvelle tablette et donc on a déjà relié ici, donc, euh, sur le faisceau d'origine de la voiture, l'adaptateur qui va jusqu'à l'autoradio. Voilà, enfin l'unité centrale, euh, on va dire, du, du système. De là, on part un faisceau qui monte, donc on l'a fait passer, qui monte et qui arrive ici. Celui d'origine, on l'a laissé. C'est celui qui correspond à celui-là. Donc on l'a laissé. De manière, en fait, c'est pour avoir le menu. BMW. Voilà. Et donc en fait cet écran, ici présent, en est compatible. C'est la fameuse prise que vous voyez verte. Voilà, donc c'est cette prise-là. Ça va être comme ça, ça va fonctionner sans aucun problème. L'autre que vous voyez, la bleue, c'est pour l'antenne euh, FM. Et celle où il y a le capuchon rouge, c'est pour l'antenne GPS. Parce que malheureusement n'est pas prévu le, la récupération du GPS d'origine si on veut utiliser Waze etc voilà donc euh, à nouveau là on va prochaine étape mettre l'écran là haut et puis on va on va commencer le remontage de tout ça en passant l'antenne GPS les câbles USB s'il y en a etc donc à suivre encore une fois bah enfin on a passé tous les câblages. Ça a été une mission. Mais bon, l'objectif c'est qu'on ait réussi. Et puis en même temps on a tout câblé derrière. Alors comme déjà d'origine il n'y avait pas grand euh, espace. Bah là vous voyez on a tout câblé. Tout est branché dedans. Il reste plus qu'à remettre en place. Et à tout remonter proprement. Et euh, là effectivement ça n'a pas été euh, une petite mission. Voilà, et surtout on espère que au final ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de panneau déballage, parce que ça peut arriver. Voilà, on a missionné pour mettre tous les câbles derrière l'appareil. Et puis au final, euh, ben on s'aperçoit que c'est bon. c'est pas un ajustement parfait, parfait. Mais euh, seulement les, les vrais euh, amateurs euh, connaissants de la marque. Euh, verront une légère différence et encore il faudra qu'ils insistent donc le résultat final est pas mal on a mis volontairement le euh, micro ici euh, parce que ça sera le plus pratique et le plus proche du, du conducteur on voulait le mettre là bas au niveau du euh, compteur mais malheureusement la plaquette que vous voyez ici n'est pas amovible et du coup on verrait passer un câble euh, qui serait euh, pas terrible du coup en le mettant ici si on le colle bien comme il faut on ne verrait même pas le câble. Voilà. Donc, on continue le reste. Enfin, on a réussi à mettre le lecteur. Je vous ne dis pas le temps qu'on a passé dessus parce que vous n'y croirez pas. Et c'est pour ça qu'on fait des forfaits montage. Parce que, qu'on y passe deux heures ou cinq heures, en fait, le prix chez nous, il reste inchangé. On respecte le forfait fourni dès le départ. Mais on a passé énormément de temps là-dessus. Parce que comme je vous disais euh, un peu plus loin dans la vidéo, enfin beaucoup en amont, je vous disais que les faisceaux, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il a fallu qu'on mette le faisceau vers le bas. Vous voyez le gros câblage là avec la prise adaptateur qui est à, à gauche de l'écran. Bah, en fait, il a fallu qu'on force un petit peu dessus de manière à pouvoir plaquer. Ici, comme il faut, donc vous voyez, on a juste à remettre les vis et c'est reparti. Voilà, donc euh, beaucoup de câblage parce qu'on a le câble antenne GPS euh, en plus parce qu'il n'utilise pas le GPS d'origine. D'ailleurs, comme d'habitude, on l'a mis ici au niveau du coin du pare-brise. Comme vous pouvez voir, il est euh, comme on le met d'habitude au coin du pare-brise de façon discrète et puis on a aussi les deux usb qu'on a rajoutés en plus de du câble spécifique pour alimenter l'écran le nouvel écran. donc du coup tout ça ça fait des euh, épaisseurs en plus des câbles en plus qui ne sont pas prévus d'origine sur ce véhicule. et du coup on est obligé de batailler. voilà donc pour certains l'installation peut être coûteuse. Mais malheureusement, il y a du travail. Allez, on finit. Bon, bah voilà, la vidéo, elle est quasi achevée. Voilà. Donc, on n'a pas encore mis euh, au niveau de la console centrale. Euh, au niveau de l'aération, pardon. On a fixé la console centrale. On a même remis les vis, etc. Mais euh, pour bien plaquer, en fait, hein, tout simplement. Savoir si au niveau euh, installation, tout est correct. Et on va euh, donc euh, mettre en route. On met le contact juste le contact et on va voir si ça fonctionne a priori c'est euh, il est sur radio il est sur radio mais il n'y a pas de son alors avant de s'exciter on va savoir si c'est pas juste une histoire de ça Ah c'est fun radio déjà bah ça c'est bien alors est ce que ici ça fonctionne je vais travailler ici pour voir si ça fonctionne hein. alors attention ah oui ça fonctionne regardez info du véhicule ordinateur de bord et il reprend exactement les mêmes informations qu'il y avait sur le véhicule donc ça pour le coup c'est très bien c'est compatible à 100% là je fais back et il revient avant statut du véhicule et ben voilà comment ça s'affiche la pression des pneus, niveau d'huile moteur. On va regarder le niveau d'huile moteur. Bon, peut-être qu'il faut que le véhicule soit en route. Non, il veut pas. Indiquer l'arrêt, moteur à température. Ah, ok. Bon, là, le moteur, il est froid parce que je ne l'ai pas roulé. Hein. Tac, on fait annuler. Et ici, c'est quoi Échéance de maintenance. Et là on va voir si bah, tout est ok vous voyez il hein, n'y a pas de problème donc là je refais back, je reviens. Donc on a le menu de BMW qui est conservé. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc on revient en arrière. Donc on a CD multimédia, radio, téléphone, les contacts depuis le téléphone, hein, donc ça il faut faire un appairage. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre éteindre le contrôle. Ok. Alors, pour revenir au menu principal, comment ça marche Non, là j'ai fait info. Je découvre en même temps que vous. Hein. J'essaye d'être le, le plus... Euh... Connect Drive. C'est quoi Ça c'est pour Internet, mais il n'y a pas d'Internet là-dessus. Voilà, BM Assistance Concessionnaire. Bon, ça c'est s'en fout alors logiquement là-dessus on peut même personnaliser voilà euh, qu'est-ce qu'on a on a ici des informations on a même un tableau de bord où là vous pouvez logiquement même choisir la couleur etc alors, je sais plus comment ça marche voilà voyez ici et là on change la couleur voyez on peut normalement L'afficheur, je sais plus où c'est. Bon, là a priori, on peut que le la couleur, mais normalement, on peut changer aussi l'afficheur. Normalement, il va reprendre le kilométrage ici du véhicule. Ici, il a le, le tour minute en digital. Voilà, donc euh, c'est pas mal. Là, j'ai fait bac tout simplement. Info de la voiture, tout ça c'est conservé. Vous voyez là, le restant du plein. Ici, frein à main qui est qui est mis, la température extérieure, la, la ceinture qui n'est pas mise. Après, ici, vous avez les applications. Donc, c'est un, un Android. Donc, vous avez le Apple Store pour télécharger directement les applications là-dessus. Enfin, voilà, c'est un truc qui est assez complet. Bon, bah ben là, il n'y a, a pas plus d'appli, donc on peut pas euh, bouger plus. Mais euh, voilà, c'est un produit qui est assez complet. Euh, et fonctionnel donc par rapport à ça on va donc finir l'installation tranquillement et ça va nous permettre de remettre ici donc le grillage et de réinstaller et ici vous voyez au niveau de, de l'antenne euh, enfin du, du micro on va faire en sorte qu'il soit à peu près à ce niveau là et vous voyez le câble il est très peu visible et encore on va essayer de voir si on peut pas le masquer voilà on va le laisser libre et puis c'est au client de savoir s'il le veut plus proche ou plus reculé, ou peut-être même légèrement derrière, enfin après c'est lui qui verra, parce que si on est centré, vous voyez, ça fait ça donc on va voir ça, mais on va déjà finir l'installation, parce qu'on a passé énormément de temps dessus on était à deux même euh, sur cette installation parce que je vous cache pas que c'est surtout là que ça pose problème et le passage des câbles là-haut et maintenant on va, on va finir pour restituer le véhicule au client voilà, euh, donc nous, est, nous sommes dans cette BMW série 3 dernière génération. Voilà, l'installation est complètement terminée. Comme vous pouvez le voir, ça s'intègre parfaitement euh, au véhicule. Donc on a l'impression même que c'est d'origine. Il n'y a pas eu de modification de la console centrale. À n'importe quel moment tout s'est bien passé, malgré quelques petites galères, notamment au niveau des passages des câbles. Mais sinon, tout est parfaitement bien intégré, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on a fait sortir en sorte que les deux USB soient ici, pour si jamais il fallait mettre un disque dur, un lecteur carte mémoire ou autre, que ce soit facile d'accès et qu'il soit aussi possible de le enfilé dans la boîte à gants ici. Donc, comme ça, il y a juste à prendre, à mettre dans la boîte à gants et fermer, et ça sera euh, très très bien. Parce que dans la majorité des cas, tout le monde utilise ici pour poser son téléphone portable, euh, etc. Enfin, ses affaires. Et donc, on a trouvé judicieux de, de, de mettre ça ici euh, au niveau du usb Parce qu'après, ce n'était pas très pratique pour les mettre euh, ailleurs. Voilà tout simplement. Euh, pour ce qui est du micro, donc on ne l'a pas collé. Hein, euh, voilà, c'est comme ça. C'est du 3M. Hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est euh, de la qualité. C'est euh, très très bon. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de double face. Euh, L'écran lui-même, c'est HD. Je laisse volontairement euh, le film qu'il y a dessus. Euh, c'est pour ça que ça vous donne une impression de dégueulasse là au niveau du, du reflet. Tout simplement ça protège aussi l'écran des euh, éventuelles rayures, etc. Après au bon vouloir du client de, de le changer ou, ou pas. Ça c'est euh, une autre affaire. Je l'allume donc là maintenant une fois tout installé. En espérant qu'il n'y ait pas euh, de soucis. Voilà, donc ça s'allume comme ça. Donc la première utilisation de la journée, effectivement, ça peut être un peu long. Mais ça, malheureusement, on ne peut rien faire. En termes de performance, on est sur l'un des euh, hauts de gamme qui existe sur le marché actuel. Donc voilà, un démarrage du téléphone parce qu'en en fait, c'est un appareil Android. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout est navigable avec la molette d'origine de la voiture. Donc, tout est fonctionnel sans aucun problème. Vous avez des données directement ici. Vous voyez, quand on met compteur, on a des données ici. Et normalement, quand on met le moteur en route, on a donc ici le contour qui est vraiment fonctionnel. Les données, les infos de la voiture qui fonctionnent aussi. Euh, vidéo haute définition, bien sûr. Si vous avez une vidéo qui est euh, sur une carte mémoire euh, du véhicule, euh, enfin de, au niveau des USB ici. Donc, si vous avez une vidéo dans une carte mémoire, vous pouvez la lire sur l'écran. Pareil pour les musiques, donc là en plus, il y aura la musique aussi de votre téléphone portable. Voilà, donc après ici, tout ce qui est communication donc téléphone portable pour appeler et avoir accès à vos contacts et puis après ici, donc la navigation GPS fournie directement par cet appareil qui est le Igo dernière génération. Après pour les petits menus ici, vous pouvez sélectionner directement donc, là, sur les applications, sont déjà les applications par défaut. Donc, vous avez le Play Store qui vous permet de télécharger directement les applications préférées sur l'appareil. Ainsi, mettre Waze, par exemple, pour avoir les informations routières en direct. Et il y en a d'autres qui préfèrent Maps, par exemple. Voilà. Mais vous pouvez aussi télécharger YouTube et euh, d'autres applications telles que Netflix. Et sur cet écran, donc, nous avons déjà paramétré pour. Que la vidéo ne se désactive pas pendant que le véhicule est roulant. Voilà. Donc par contre, il faut savoir que c'est suivant le pays, il y a une perte de points euh, possible et une forte amende. Donc à prendre par précaution. Nous, on le désactive euh, comme ça parce que pas d'intérêt en fait d'avoir euh, de la euh, leçon sans la vidéo. Donc on le désactive euh, parce que très souvent on va dire 95% des gens nous demandent de le désactiver donc du coup on le désactive parce que ça les oblige à revenir et nous à redémonter un, un, un peu l'appareil pour une histoire de branchement de, de fil voilà donc du coup on préfère faire directement ça par défaut ça évite à ce que le client y revienne et puis s'il veut pas voir de vidéo en conduisant bah il met pas de vidéo tout simplement voilà euh, donc vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez etc ça fonctionne euh, au niveau son donc je vais essayer de vous mettre la radio donc ici avec la molette vous voyez je fais back regardez on est revenu en arrière euh, donc, donc euh, pour la radio comment ça se passe ça parce que je découvre aussi un peu hein. donc ça c'est euh, euh, la musique qui est déjà euh, euh, qui est déjà euh, dans la mémoire euh, disque dur de l'appareil donc là on a pas mal de musique. Donc pour augmenter le son, c'est la touche d'origine, regardez. Au niveau qualité sonore, elle est très bonne. Il euh, n'y a pas de soucis et Ça fonctionne très bien. Bon, après, il y a des effets sonores qu'on peut rajouter. Donc on peut euh, plus ou moins paramétrer. Euh, donc pop, rock, vous euh, voyez Tac. Voilà, le, le son il est, il est très bon, ça fonctionne bien. Euh, voilà, euh, j'enlève le son donc là on peut même désactiver ici. Voilà, euh, après ici voiture et là on a le menu euh, du véhicule. Donc, bac, donc ça c'est les sources externes parce que c'est de la tablette qui est fournie. Et là, vous voyez, on peut sélectionner. Donc c'est comme le menu BMW, hein, c'est exactement pareil. Et là, on a des infos. Surtout. Et ça, c'est avec la molette hein, que je joue. Ici. Info véhicule. Donc je valide. Après, tiens, on va faire ordinateur voyage. Il va nous donner des informations. Parce qu'en fait, le client est venu de Belgique. Jusqu'à chez nous, donc. Euh, alors, je sais pas s'il n'a pas fait. Euh, ah non, mais ça, c'est parce qu'il n'a pas remis à zéro. Donc, c'est depuis qu'il a acheté le véhicule, il a déjà fait euh, 10 000, plus de 10 000 km, avec une consommation moyenne de 8,4 au 100 et une vitesse moyenne de 31,8. Voilà. Donc, je vais pas lui réinitialiser l'ordinateur de bord. Donc là, il lui reste une autonomie de 266 km. Et donc ça revient avec une consommation 84 et 38,1 km/h de vitesse moyenne. Voilà, le, après il y a statut. Euh, donc là, on a pas mal d'informations. Un hein, contrôle des pneus, initialiser la, la pression des pneus, niveau d'huile, euh, mesurer le niveau d'huile, échéance de maintenance. Et puis ici, le check control. Donc si on fait le check control, vous voyez, aucun défaut. Donc le menu BMW, il est bien maintenu, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc si vous voulez un produit de qualité, malheureusement, tout ce qui est inférieur à 400 euros, 500 euros, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas du terrible. Il y aura même des fonctions qui seront perdues. Voilà. Là, aujourd'hui, le client, il pourra même... Euh, le dire s'il le souhaite il a payé le produit plus de 500 euros et euh, là on est sur un produit de qualité euh, et ça c'est énorme regardez là je mets la radio et là c'est sous forme de liste et on peut donc regarder et ça fonctionne bien sans aucun problème le véhicule n'est pas équipé de commando volant, donc du coup on ne peut pas euh, savoir plus. Euh, voilà, il n'y a pas. Bon bah, il y a des modèles euh, étrangers qui ne sont pas. Hein, je répète, ce véhicule est belge. Voilà pourquoi. Donc, euh, bah on a fini. Si vous êtes intéressé par une telle installation, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis, sachant qu'en période de Noël nous avons des délais qui peuvent aller jusqu'à. Trois semaines, et oui, parce qu'on a une très forte demande d'installation d'autoradio dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, notre fournisseur qui se trouve en Allemagne est aussi sollicité parce qu'il fournit toute l'Europe. Uniquement que les magasins, enfin, que les professionnels de l'autoradio. Donc, vous ne trouverez pas ce genre de produit chez Noroto, Feu vert, etc. Euh, ils, le, ils ne vendent pas pour eux, ils vendent uniquement pour les professionnels de d'installation euh, autoradio comme nous voilà on fait pas que ça on fait aussi de la mécanique carrosserie peinture etc mais c'est vrai que nous sommes spécialisés dans l'autoradio depuis les années 90 et euh, aujourd'hui nous sommes même référencés chez certains euh, revendeurs comme euh, un, une station euh, de montage agréé voilà comme gps passion par exemple vous pouvez nous retrouver on est dans 77 750 voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et puis euh, surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres montages. Parce qu'on ne fait pas que BMW, on fait aussi toutes les autres marques. Pour un devis, il suffit de nous envoyer par SMS une photo de votre tableau de bord et euh, les options que vous souhaitez avoir sur l'appareil. Et à partir de là, on pourra vous dire ce qu'on peut vous proposer ou pas d'ailleurs. Parce que certains véhicules, malheureusement, on n'a pas de solution pour du produit de très très bonne qualité, cependant on vous oriente vers un, un produit éventuellement chinois qui est de, de, de qualité euh, dont on connaît un peu la, euh, la finalité. sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.